بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. شباب السلام عليكم، راه غنكملوا مع الكور ديالنا لونغاج دو بروغراماسيون سي. راه وصلنا لو شابيتر ديال لا ليكتور دي دوني، دونك اون فوا لا فونكسيون سكانيف. راه كيما شفنا في ليكريتور دي دوني كو بور فير sortir les informations من le PC ou l'affichant sur l'écran, ce qu'on appelle l'écriture des données, on va écrire sur l'écran, donc ça mène à la fonction printf. Donc, pour faire entrer les informations à partir du clavier, c'est l'utilisateur maintenant qui va donner les informations pour stocker dans la mémoire, d'accord, les variables, les déclarer déjà dans la mémoire. C'est la lecture des données, on va lire des données à partir du clavier. C'est la fonction scanf, d'accord. On va utiliser la fonction scanf. Là, parce que vous n'avez ça, c'est du hardware. La RAM PC, c'est du hardware. Donc, la communication binaire, ça doit passer à travers un software. Donc, le software, le cas de l'écriture, voilà la fonction printf. Alors, on a les différentes utilisations de la fonction printf. Mais maintenant, le cas de la lecture de données, on va utiliser une autre fonction, c'est la fonction scanf. D'accord? Alors, que maintenant, pour lire des informations, bien, pour entrer des informations, bien, des données, on utilise la fonction scanf. D'accord? On utilise la fonction scanf. Alors, le clavier, donc les informations là, à l'utilisateur, le clavier, ben, je stocke la mémoire dans des variables. Donc, on va utiliser la fonction scanf. Alors, la fonction scanf a deux paramètres. Alors, le premier paramètre, c'est le format. Alors, c'est une chaîne de caractères. Alors, je ne connais pas le format. Alors, la chaîne de caractères format détermine comment les données reçues doivent être interprétées. Alors, les données reçues n'in. Le clavier. Alors, l'utilisateur a atteint des informations sur le clavier. Alors, qui va chercher les données? Ils vont être interprétées par la fonction scanf. Qui va chercher les données? Sous quelle forme? Bien, sous quel format va chercher les données? D'accord? Donc, qui va chercher l'utilisateur? Il y a quelqu'un qui va chercher des entiers à la fin de le format AD, donc on va dire pourcentage D. Quand vous voulez, les données, il va les à partir du clavier. Tu vas les interpréter comme des entiers. Notez comme un exemple. Maintenant, l'utilisateur, le clavier, il a tapé 1, il a tapé 0. Alors maintenant, pour valider la lecture, soit il va valider par la touche espace ou bien par la touche entrée, le clavier. D'accord? Soit il va taper espace, soit entrée. Alors, lorsqu'il va taper entrée, alors, had 1 ou 0, comment on va les interpréter? Wesh, c'est le caractère 1 et le caractère 0, ou bien c'est l'entier 10, ça veut dire 1 et 0, c'est 10. Mais qui fait? Flacisé, qui fait? Je vais dire les données. Alors, je vais dire que les données sont tu vas le considérer comme un entier. Donc, on dit les données pourcentage D. Alors, je vais dire 1 et 0, et je valide par entrée. Les 1 et 0, c'est 10. C'est la valeur 10. Je vais dire il va stocker, par exemple, la variable A. On dit une variable A, par exemple. 10, c'est 10, il va le stocker la variable A. Donc, tu vas dire 10. Bien sûr, A va être une variable entière. Par exemple, Anna, il y a un pourcentage D, tu vas l'interpréter comme un entier. Voilà qu'il y a une flasse ici parce que l'utilisateur, on ne peut pas contrôler l'utilisateur. L'utilisateur est très libre. D'accord? Mais maintenant, on a l'utilisateur, il y a 1, 0, point, 5. Ça veut dire 1, point, 10, virgule 5. D'accord? Mais en fait, les données que tu vas l'utilisateur, tu vas les interpréter comme un entier. Alors, je vais dire 1, 0, mais il y a le point. Alors, le point, ça ne fait pas partie des entiers. D'accord? Les entiers, mais donc, c'est le décimal, donc la partie décimale. Donc, je vais dire 10. D'accord? Donc, 10, il y a le point, il va le stocker la variable A, qui est une variable entière. Par contre, il y a quand même A réel. D'accord? Ou dire qu'il y a un pourcentage F. Ça veut dire les données. Les radicaux, tu vas les interpréter comme des réels. Ça veut dire, 1, 0, le point, il ne va pas s'arrêter le point. Parce que les données de l'utilisateur, tu vas les interpréter comme des réels. Parce qu'on est dans les pourcentages F. Donc tu vas les interpréter comme des réels. Donc tu vas dire, point, donc on va 5. On va dire, supposons que 5, il y a A. L'utilisateur, c'est dit, 10.5A. Alors A, donc il va s'arrêter. Donc qu'est-ce qu'il va retourner là? Donc à dire 10,5, donc il y a qui va être enregistré la variable A. Bien sûr, la variable A, c'est une déclaration réelle. Donc il y a 10,5. Alors le format est chez les catégories.
comment la fonction scanf va interpréter les données de l'ordinateur. واش غادي تاخذهم كوم دي زونتي اي دون سو كام غاتلقى شي كاركتير اللي ماشي اونتي دونك يل فا ساريتي وغادي يل فا روتورني داكشي اللي قرات في الاول دونك كانت ريال دونك غادي يبقى غادي حتى غادي يلقى شي كاركتير ولا شي حاجه بفير البوان ما غاديش يحبس فيها باسكو بوان سي لانديس ديال السيمبول ديال ديسيمال دونك فا با ساريتي باسكو هنا كيتي ريال داكور بار كونتر سيبوزون مثلا درت انا ريال درت لي بورسونتاج اف ولكن باش بديت ما بديتش بديت Virgule 5, 10 B. Alors, une fois où elle va rencontrer B, elle dit B, là, c'est pas un entier, c'est pas un réel, c'est pas un chiffre, donc il va s'arrêter. Donc, là, il va rien stocker la variable A, my dear farewell. D'accord? Alors, là, on va voir, à des exemples, on va les voir l'exécution. On va faire un petit programme, on va faire les différentes utilisations dès les pourcentages D, pourcentage F. D'accord? Alors, maintenant, il est les pourcentages C, ou que tu clés B, 10.5 دونك غادي يوقف 11 باسكو قلت لي قرا لي ان سول كاركتير دونك لو سول كاركتير اللي كي va prendre هو بي دونك maintenant بي va être stocké في la variable qui sera par exemple de type caractère d'accord donc هذا هو la signification ديال لو format le format c'est comment scanf va interpréter avec les données اللي غادي نعطيوها في الكلافيي alors شنو قلنا حنا من بعد ملي كان فاليدي وكيشد هاد لي دوني il va les stocker في la mémoire mais فين اش من بلاصه Ça, c'est le rôle du deuxième paramètre. Le deuxième paramètre, qu'est-ce qu'on donne? L'adresse de la variable. Alors, c'est l'adresse de la case mémoire, ou bien la variable, dans laquelle les données seront stockées. Alors, on va valider ou on va stocker une variable. Mais il y a la variable, c'est l'adresse, c'est la variable. Parce que le compilateur m'a dit qu'il y a A, B, donc il y a les adresses. Au moment de la déclaration, il a réservé l'espace pour la variable A, fois l'adresse. Alors, on a le deuxième paramètre, c'est l'adresse de la variable. C'est l'adresse de la variable qui est stockée à partir du clavier. D'accord? Alors, qui va choisir le deuxième paramètre? Il est indiqué par le nom de la variable précédé du signe et commercial. D'accord? Donc, supposons qu'on a bien stocké la variable A. Donc, je vais dire, supposons la variable A est une variable entière. Donc, on va dire qu'on fait A, pourcentage D. D'accord? On a déjà un délai et commercial. Et le nom de la variable A. D'accord? C'est E commercial A. Donc A. Il a créé A bouhda. On désigne la valeur de A. Mais il a créé les E commercial. Maintenant, c'est l'adresse de la variable A. Donc, vous voulez H mon blasa, a dit stocker, a dit les données, a dit à partir du clavier. D'accord? Donc, a donné les deux paramètres, la signification des deux paramètres pour la fonction scanf. La syntaxe, bien, la fonction scanf appartient à la bibliothèque studio.h. D'accord? Donc, c'est une fonction d'entrée ou bien de sortie. C'est une fonction d'entrée. On va introduire des données. D'accord? Donc, il y a la bibliothèque studio.h, standard input-output.h. Donc, les chinois, la fonction printf. Permet la saisie clavier de n'importe quel type de variable. Alors, la fonction scanf qu'on s'aime pour lire n'importe quel type de variable. Pour lire des variables de type entier, réel, caractère, long, double, short, donc n'importe quel type de variable. Alors, la syntaxe, c'est pourcentage, donc on dit le pourcentage et le format, donc D ou la F ou la C, d'accord, les spécificateurs de format, maintenant, virgule, et le deuxième paramètre, c'est E commercial, et le nom de la variable, il va être stocké fait, les données, la décra à partir du clavier. Alors, le E commercial, il est obligatoire. Ou on va dire obligatoire par la suite. Donc, d'arrorir, c'est un dirouel et commercial. D'accord? Qui désire l'adresse. Donc, il est obligatoire. Alors, un exemple, supposons une variable réelle salaire, donc float salaire. Alors, qui va dire on bien atteint la main l'utilisateur à atteindre le salaire. Donc, c'est lui qui va introduire le salaire. Mais si le programmeur le dit plaisir, par exemple, salaire reçoit 20, par exemple, ou quelque chose comme ça. Non. C'est l'utilisateur où il va atteindre. Où il va atteindre donc le salaire, d'accord? Donc je vais dire scanf pourcentage f, donc c'est entre guillemets, donc entre les guillemets, donc une chaîne de caractères virgule et commercial le salaire. Et à ce moment-là, donc l'utilisateur où il va atteindre le salaire. Alors maintenant, had le format a dit, il est qui va me déterminer qui va je vais dire donc. Supposons l'utilisateur de Khalia ABC. Mais il y a ABC, donc ce n'est pas un réel, donc il ne va rien stocker sur la variable salaire. Supposons qu'il y a 2000.50B. Alors, je vais dire qu'il y a, d'accord?
Il va stocker 2000,50. D'accord? Et on peut utiliser donc la même fonction scanf, des lectures multiples. Donc je peux lire plusieurs variables, d'accord, qui sont soit du même type, soit du type différent. Il faut juste préciser, d'accord, le format de chaque variable à lire. Donc virgule, et je donne l'adresse de la première variable, virgule l'adresse de la deuxième, jusqu'à la énième variable. D'accord. Alors là, donc il faut pas mettre donc ni espace ni rien. C'est toujours pour les débutants. Bien sûr, par la suite, on va voir. Donc je vais donner des exemples. Alors, il y a à titre d'indication, la chaîne de format ne doit contenir que des spécificateurs. Donc, on ne doit comporter que des spécificateurs de format. Tout autre caractère peut amener donc, le programme à se comporter curieusement. Donc, à part les spécificateurs de format, les pourcentages D, pourcentage F, pourcentage C, même les espaces, d'accord, ce qu'on a dit, le résultat, la fin, donc, d'accord. Mais, là, il est possible de mettre des caractères ou bien chez Ajakura, à l'intérieur du format, mais il faut savoir Ashnokadiru. Donc, c'est un peu Ashnokadiru. D'accord? Donc, je vais donner des exemples. Alors, on va faire un petit exemple. Donc, Radin Hitajo, bien sûr, la bibliothèque studio.h. D'accord? Studio.h. L'h, parce qu'on va utiliser la fonction scanf et aussi donc, la fonction printf. Donc, la fonction principale main. Et après, donc, je vais déclarer trois variables. Une variable de type int A, une variable de type float B et une variable de type caractère C. D'accord? Alors maintenant, donc, je vais demander à l'utilisateur. Alors, là, le programmeur peut donner des valeurs pour A. Alors, comment? Donc, par ce qu'on appelle donc, l'affectation via l'initialisation. Donc, A égale à 20, par exemple. Donc, ça, c'est le programmeur qui donne la valeur pour la variable A. Alors, je ne donne rien. Alors, là, on a déclaré des variables. Alors, je ne dis le compilateur juste après la déclaration. Il va réserver d'espace pour la variable A, la variable B et la variable C. Alors, mais qui réserve l'espace? Donc, il y a l'espace libre, la mémoire. Omnbed, donc qui est affiché, donc qui est affecté donc avec la case mémoire, avec l'adresse, la variable. Donc c'est les libres bien sûr. Et la même chose pour les autres variables. Alors maintenant, comment on va donner maintenant la main l'utilisateur, parce que maintenant l'utilisateur, tu vois, il peut la valeur de A. Mais qui va chercher la valeur de A, qui va communiquer à la mémoire, c'est à travers le clavier. Donc c'est maintenant la main pour donner des valeurs à travers le clavier, ou bien à partir du clavier, pour qu'il soit stocké. Fait la variable A par exemple. Donc la fonction, c'est la fonction scanf. D'accord? Alors bien sûr, le programme, bien sûr, doit communiquer avec l'utilisateur. Donc c'est l'utilisateur CRF comme valeur. Et comme ça, donc c'est affiché un message à l'écran. Je voulais atteindre par exemple la valeur de A. D'accord? Je voulais printf donner la valeur de A. Point virgule. Et après, donc l'utilisateur doit entrer maintenant la valeur de A. Alors, on aurait la débouchée, on aurait le message. Alors, je vais afficher. HKTN a donné la valeur de A ou ça là le programme. Et maintenant, là, on lui donne la valeur de A. Maintenant, l'utilisateur a donné la valeur de A. Le programme doit attendre l'utilisateur qui a atteint la valeur de A. Bon. Avec quelle fonction? C'est avec la fonction scanf. Alors, la fonction scanf qui m'a fait à deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le format. D'accord? Donc c'est le pourcentage D. Et là je donne un pourcentage D parce qu'on veut lire la variable A. Alors qu'il m'a dit on a le spécificateur de format, vous avez le premier paramètre, on va dire là espace, là n'a rien du tout. Regarde le bidia. Alors, virgule, quelle est la variable qui va être lue? C'est A. Alors je vais faire le deuxième paramètre. Le deuxième paramètre, c'est l'adresse dans laquelle les données qui vont être. Introduite par l'utilisateur à partir du clavier fin radi stocka mais me kanate je n'a kanate l'adresse fin radi hatta donc ma nateche a c'est nate l'adresse de a alors باش كنقول ليه سيلكت بلي في l'adresse de a c'est e commercial et on va voir comme قلت لكم هاد e commercial il est obligatoire donc elle insitua il y aura un problème donc c'est pas un problème de compilation mais un problème au moment de l'exécution on va le voir et après on va je vais vous expliquer شنو كيوقع réellement d'accord. Alors, point virgule. Et après, juste après, donc, je vais afficher la valeur de A. Printf. La valeur
de A égale, et je vais afficher à côté de ça donc la valeur de A. Donc le chiffre de printf, d'accord, comment afficher donc les valeurs des de variables printf. Alors maintenant je vais exécuter. Alors d'abord, m'a affiché avec le message dans le système parce que kitsnen il devait la valeur de A. Alors donner la valeur de A, on a 50. Donc c'est bien la valeur de A égale 50. D'accord. Maintenant, comme je disais, l'utilisateur peut donner n'importe quoi. Maintenant, je vais savoir le rôle de spécificateur de format ou bien du premier paramètre. Alors, supposons maintenant qu'elle donne la valeur de A, 50.20. Je vais vous dire que je vais vous clavier, c'est un nanti. Alors, je vais dire que je vais vous dire que je vais vous dire un nanti. Alors, il faut 5, 0, il y a 50, mais un seul point. Non, point à 10. Donc là, il ne va pas me stocker point 20. D'accord. Donc c'est seulement la valeur 50 qui va être affectée à la variable. Alors maintenant, supposons que l'on a 14B8. Alors fin, on va dire 14. Parce que l'on a chez l'entrée, alors ça sera un entier. Mais il y a de nourrir le chose qui peut être modifié, il sera un entier. Donc, je n'ai pas de en entier, c'est le 1, le 4, pour lui c'est 14. Donc, qu'est-ce qu'il va stocker la variable A? C'est 14. Maintenant, supposons que je dis un gap, je dis point. On voulait point 5. Alors, qu'est-ce qu'il va me stocker A? Je vais stocker A. Alors, je n'ai pas de valeur. La valeur, je vais mettre la valeur de la variable A. D'accord? Donc, je vais mettre la donc, je n'ai pas de valeur. Je n'ai pas donné la valeur. Mais je vais mettre la valeur. Il a stoppé le point. D'accord. Ou ma stocka walu f la variable A, donc la variable A lorsqu'on a demandé d'afficher la valeur de A, atani dakchi li kan fi qdim. D'accord. Alors ça c'est le rôle d'ien le pourcentage D ou bien le spécificateur de format. Alors maintenant on va voir la lecture multiple. Donc je peux lire deux variables en même temps, A et B. Donc la première solution, c'est que kulla wahda ghadi ndira bouhda, kulla wahda ndira scanner point. Supposons qu'on prend A ou B en même temps, on voulait donner la valeur de A et atteindre A. On va dire printf donner la valeur de B. Après, donc je vais mettre scanf pourcentage F parce que B il est réel. Et commercial B. Après, donc, je vais afficher la valeur de A égale et B égale, donc pourcentage F. Et je vais afficher donc la variable B. D'accord. Donc, je vais exécuter. Alors, vous voyez, donner la valeur de A à 50. Donner la valeur de B 12,35. Donc, ici, on va m'afficher la valeur de A égale et la valeur de B égale. D'accord. Alors maintenant, pour ne pas avoir les deux instructions, d'accord, donc deux scanf en même temps, donc je mets instruction d'un scanf. Donc, on lui donne la valeur de A et B. Et dans ce cas, donc, on a les deux instructions. On a un scanf, on dirait juste la valeur A, c'est le pourcentage D, et commercial A, en fait, c'est pourcentage F, on a c'est virgule, et commercial B. Et dans ce cas, il va me lire les deux. Alors, la validation, je vais faire qu'on soit par espace, soit par entrée. Alors, on a là, donc c'est un seul appel de la fonction scanf. Mais, je vais faire un juge des variables. Quand on dit 4, par exemple, d'accord, on a qu'à dire le format, par exemple, pourcentage de la variable, supposons qu'on dit un autre entier. Je vais dire le C ou le V. D'accord. Je vais faire A, B ou V. D'accord. Et V. D'accord, on a le pourcentage D de A, pourcentage F de B, on va dire pourcentage D de H de V, et commercial V. Et dans ce cas, donc, il va m'afficher, d'accord, et V égale pourcentage D. Alors ici, donc, je vais ajouter la variable V. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc, je vais exécuter. On va dire, donner la valeur de A, de B. Alors, la première valeur, c'est pour A, pour valider, soit par espace, soit par entrée. Et la deuxième espace, ça veut dire la deuxième pour la lecture de B. Donc, on va dire 12,5. Si je valide par entrée, alors d'abord, valide 12, il a été stocké A. 12,5, stocké sur B, mais maintenant, par exemple, on va atteindre la valeur de V. Donc, il y a 50, par exemple. Donc, je vais donner A égale à 12, B égale à
12,50 et V égale à 50. Alors maintenant, donc j'exécute, obtenu. Donc on va dire la séparation juste par espace. Donc espace, donc 10 pour A, 5,5 pour B et 6 pour V. D'accord? Donc, regardez, c'est la lecture multiple. Alors, mais l'ahsan, comme je vous ai dit, ni espace, ni rien du tout. Ne dire pas de chose. Supposons, on a dit que c'est virgule. D'accord? On a dit que c'est virgule. Séparation par des virgules. Alors, on a dit flacisé, on a dit que c'est virgule. D'accord? C'est une dire que les virgules sont jamais flacisé. Alors, chauf, il a dit que c'est virgule. Achara. Ou j'ai validé par entrée. Alors, chauf, une fois que je valide par entrée, ça fait que c'est virgule. Achara, l'oulania, il est de la fa. B ou V, il y a des valeurs quelconques. J'ai un tome. D'accord? Parce que le format, j'ai fait. Donc j'ai mis des virgules. Alors déjà, j'ai quitté comme là, en tant que débutant, il y a un tome, il y a un tome, ni espace, ni virgule, ni rien du tout. Par contre, il y a des virgules. Qui va chercher cette couleur saisie? Donc l'utilisateur, c'est Arf, il y a un tome, il y a des virgules. Alors, je vais dire. On va dire Tnash, virgule. 15,5, virgule V, c'est pas V, donc virgule 60. D'accord? Donc, à 12, on va dire A, parce que là, par exemple, la validation, on va dire qu'on part virgule. D'accord? 15, on va dire B, et 60, on va dire V. Après, je valide par entrée, alors je nous donne 12, on va dire A. Alors, là, il faut faire très très attention, donc, au niveau du format, la fonction scanf. Donc, mieux l'ahsan, on va dire que c'est quelque chose qui est attaché, les spécificateurs de format qui sont attachés, ou la validation, soit je valide par espace, ou là, je vais valider par entrée. D'accord? Alors, maintenant, on va voir le mouchkil qui m'a dit qu'il n'y a pas de e-commercial. D'accord? Alors là, donc, je vais faire l'exemple. Donc, c'est seulement pour A. Donc, on dirait pour A. Donner la valeur de A. Et je vais afficher donc seulement la valeur de A. D'accord. On chauffe quoi? Je n'aurais dû pas faire. Là, il y a un site e-commercial. Donc là, d'abord, qu'il y a e-commercial. Qu'il marche là. Donc lorsque j'exécute, donc on a 20 qui est affiché il y a 20. Maintenant, si c'est un e-commercial, lorsque je vais compiler, maintenant je dis 0, 0 erreur, 0 warning. D'accord. Il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Mais moi, je kiffe la déconne. Moi, je kiffe l'exécution. Alors, j'exécute. Maintenant, 20. Normalement, si vous voulez, la valeur de A est 20. Donc, je vais faire un tani. Donc, je n'ai pas la valeur de A. Ça, c'est la valeur qui est déjà A. Ça veut dire qu'on n'a pas modifié la valeur de A. Mais normalement, cette 20 va écraser parce qu'on a dit la nouvelle valeur de A. Donc, je vais faire un cas. Je vais faire un cas. Je vais faire un diapo tout de suite. Alors, à ce que vous avez, il a signé le scanner de l'e-commercial. D'accord? Alors, ça c'est la mémoire, ça c'est l'état initial de la mémoire. Alors, comme je l'ai dit dans les vidéos de l'école, la mémoire elle est partagée par toutes les applications qui tournent la machine. Donc, les applications sont des programmes, des variables, ou des variables, l'emplacement des ROM, c'est la mémoire RAM. Alors, Hachili Dachanahanablahmar sont des cases mémoire qui sont réservées par d'autres applications. Alors, ce qui est en vert, c'est libre, donc ça veut dire qu'on peut les réserver. Alors, on a l'exemple de la case mémoire, elle a l'adresse de la 1E05, fait une variable Y, ou la valeur de la 20, de la case mémoire, elle est réservée par une application X, par exemple, qui est fait la machine. Alors, supposons que l'application c'est alors, une fois qu'on a l'application, elle a la case mémoire, maintenant, elle est réservée, qu'est-ce que tu lis libre. Et là, la tournée, Y, je calcule la valeur de là, 20. Alors, mis dina l'application. Alors, la case mémoire ou l'être libre, oui, mais qui la valeur 20, parce qu'on ne va pas modifier donc la valeur. On va signaler qu'on a la case mémoire à dire ou l'être libre. Il y a une application ou une variable qui va réserver l'espace. Maintenant, il peut le réserver. Alors, on a mis le programme d'Enna. Int A. Alors, int A, c'est un ordre qu'on a le compilateur, qu'on vous laisse réserver l'IA un emplacement pour une variable entière A. Bien sûr, en fonction de la taille de l'entier. Alors, rédiger une IA, rédiger et réserver Fadi, non, c'est pas possible parce qu'il est réservé. D'accord? Mais rédiger une IA, oui, il est libre. Maintenant, l'adresse qui a été affectée à A,
هي E05، مي كيلي لا فالور ديالها؟ لا فالور ديالها ماتنو سي 20. واش كاين؟ واش حنا في البروغرام ديالنا واش حنا اللي عطينا 20؟ لا، اون با دوني 20. 20 منين جات؟ 20 جات من لونسيان فالور اللي كانت عند Y. داكور؟ الو باسكو لوسكون فالي بيغي ليسباس ما كنفيديوش هاد لا فالور، كنقولوا غير ماتنو هاد ليسباس اللي ليبر. الا جات شي فاريابل وحده اخرى بور لو ريزيرفي ماتنو il va le réserver. D'accord? Alors maintenant, juste après la déclaration, quelle est la valeur de A? Mais l'utilisateur, ou je sais pas si la valeur de A, non mais je ne sais pas. Le système réellement, la valeur de A, fait l'exemple de A, c'est 20. D'accord? Alors maintenant, on va demander l'utilisateur où il y a la valeur de A. D'accord? De là, scalf, pourcentage D et commercial A. Alors l'utilisateur, par exemple, d'Khel, Achra. D'accord? Il a tapé 10. Alors, lorsqu'il va valider par entrée, donc, il a 10, il a dit, fin radit stocka, quand vous laissez stocka l'IA, fait l'adresse qui est le deuxième paramètre. Alors, je n'ai l'adresse qui est le deuxième paramètre, donc, quand vous laissez e-commercial de A. Quand vous laissez e-commercial, il désigne, je n'ai l'adresse qui est l'IA. Alors, je n'ai l'adresse qui est l'IA, c'est 1E05. Quand vous laissez l'adresse 1E05, la case mémoire est l'adresse 1E05, ou la valeur de la, il y a le chili de la chère. Donc, à l'origine, il va écraser le 20. D'accord? On va dire da, achra. D'accord? Et lorsque je vais afficher par la suite A, donc il va afficher A égale à 10. D'accord? Donc, ça, c'est le cas normal et commercial de A. Supposons site A. Alors, supposons site A. Un site est commercial. Donc, l'écriture que je vais scanner, pourcentage D, A. Mais d'autres est commercial. Alors, on a la même chose. Donc, A qui est l'adresse 1E05. Alors, maintenant, quand vous voulez scanner, pourcentage D, A, quand on a 10. D'accord? Quand on a 10. Ou quand vous voulez stocker l'IA, faites l'adresse qui est le deuxième paramètre. Alors, le deuxième paramètre, je n'en dis. On dirait A. وشنو هي ا بالنسبه ليه هو؟ ملي كيلقى غير ا بوحده، الوغ ملي كنا دايرين اي كوميرسيال كتعني لادريس ديال لا فاريابل ا، داكور كيمشي لهنا. الوغ ملي درت لي غير ا، سافو دير سي لا فالور دو ا، الوغ كيلي لا فالور دو ا؟ فهاد اللي هنايا جوست ابخي لا ديكلاراسيون سي 20، فهاد ليطا اللي عندنا فيها دابا سي 20، سافو دير 20 هي اللي غادي تكون هنا. وهاد 20 هادي في سكانيف اشنو كتعتبرها؟ كتعتبرها اون ادريس دون فاريابل. صافي سير قلب على لاكاز ميموار لي لادريس ديالها 20 وحط ليا فيها هاد 10 هادي. دونك اشنو غيدير هو؟ غادي يقلب هنايا شنو هي لادريس ميموار لاكاز ميموار اللي عندها لادريس 20 كيلقى هي هادي ولو كونتوني ديالها عرف هاد ليكزومبل انا لو كونتوني كان هو 601 غادي يردو 10. داكور؟ الوغ مي غادي نبغي نافيشي لا فالور دو ا نقول لي برينت اف لا فالور دو ا نورمالمون دابخي ليتيليزاتور خاصها تبان لي 10 باسكو هو راه طلب لا فالور دو ا دار فيها 10، ولكن لا كيس كيل فا افيشي هو غادي يمشي لا فالور دو ا اللي هي شحال؟ اللي هي 20، يل فا افيشي 20. دونك سي بور سا حنا قبيله كنا كندخلو اون فالور وفي لافيشاج كي افيشي لينا اون اوتر فالور. داكور؟ دونك سي بور سا هاد لادريس هاد لي اي كوميرسيال اللي اوبليغاتوار. داكور؟ دونك ضروري خصني نديرو، الا ما درناهاش يل فا با نو سينيالي دي زيرور دو سانتاكس، مي لي زيرور غادي يكون عندنا او مومون ديال l'exécution. C'est clair? Donc, on te connaît comme tout. Ou être e-commercial, l'art de l'écom, maintenant ça va. Quel est le fait de la halette? Scanner, les marins d'Irus e-commercial. Les marins d'Irus e-commercial. Nous allons, Inch'Allah, donc les chaînes de caractère. D'accord? Et on est à la fin de la vidéo. Donc, il y a des questions, on est chez Haja. La vidéo, j'ai Inch'Allah, donc on va faire des exercices. De l'entrée-sortie, l'utilisation des printemps et scanf, et on va faire la solution de l'homme, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.